Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rome 2 Total War et Hegemonia, où on va directement, je pense, attaquer Libaum. Ouais, on va directement l'attaquer. J'espère que le premier épisode, celui que j'ai mis la semaine dernière vous a plu, parce qu'à l'heure où je tourne, il n'est pas encore tout à fait sorti. Donc je n'ai pas eu encore vos retours sur l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Lui, j'espère aussi qu'il vous plaira. Et on va directement se lancer. Alors, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Ok. Tu m'en kikines. Pour rester poli. Ah ouais. Oh, je vais pouvoir en prendre deux. J'ai pas pris les eux parce que voilà, ils coûtent 1600 au lieu de 1500 et j'aurais pu en prendre qu'un, ce qui n'est pas. Non. J'ai failli faire une gaffe. Hop, attends, 30 secondes. Et tout, on va t'emmener aussi. Oh là 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 là. Non, il est pas assez. Personne n'en réchappera. Prêt pour la bataille. Oh, je pense pas que ce soit bien grave. Oh là là, on va tenter. On va tenter l'attaque. Allez, on est parti. On est des fous. On tente quand même. Bon, on est largement en sous-effectif. Bon, l'armée de garnison, 58 hommes. C'est pas la joie, quoi, hein, vous comprenez. Bon, par contre, il a une armée qui est gradée. Bah, c'est normal, hein. Ce sont des rebelles de Carthage et ils ont dû se battre pour obtenir la ville. Et donc, ils se sont améliorés. Mais par contre, grade argent niveau 1 et grade bronze niveau 3 pour le général. Ça fait mal. Quelques hoplites, sinon il a énormément de cavalerie. Un javou et quelques peltastes carthaginois, ouais, je pense que ça devrait pouvoir être simple, je sais pas, mais ça devrait le faire. Allez, ok, temps sec, ça c'est nickel par contre. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu les unités. Fais voir à quoi ressemble déjà. Oh ouais. Ouais, franchement classe. Les cavaliers. À votre commandement. Nice, vraiment. Elles sont super cool. J'avais oublié comme quoi le mode était bien fait. L'infanterie de l'ancien paré. Ah ouais. Non, franchement, vraiment dites hein, vous aussi en commentaire si vous aussi vous le trouvez beau hein. Naturellement. Je pense que je vous étais déjà demandé la question, mais franchement. Il est magnifique. Les hoplites mercenaires. Ouais, ils sont. Ouais. Les hoplites grecs d'après époque macédonienne. Donc, ouais, ils ressemblent à ça. Sympa. Ok, l'infanterie d'élite d'alliés italiens. Ils sont. Ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Alors, vous, par contre. Avancer en fait, hein. Littéralement avancer le plus proche possible. Hein. Oh, le but c'est pas de. La carte radar. Oui, tais-toi. Par mes ancêtres, j'espère vraiment que c'est violent. Ok. Ok. Oh, les défenses. Carthage, moi. Attends. On va le mettre en silencieux quand même. Voilà. C'est pas mal les bruits comme ça. La cavalerie libyphénicienne. Alors, une cavalerie ici. Je
Je pense que même elle, on va la mettre là. Bien compris. Infanterie de lanciers, à vos ordres. Non, c'est pas la cavalerie ici. Et on va prendre. Voilà. Bah, elle est là. Là. Oui, commandant. Franchement. Allez. Prêt à chevaucher. Gardez la vitesse. Hop. Hop. Heureux de servir Rome. Hop. Good, 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 good. Alors là, voilà. Ici, de toute façon, c'est des lanciers. Donc bon. Allez, laissez là. Des belles tasses de me dit bien. Nickel. Ouais, détruisez-les quand même. Ok, alors. Voilà. Soki. On va remettre ça un petit peu en bazar. Extraordinaire. Oui, ça ici. Par contre. Infanterie. Attaque. Alors. Hop. Allez. Vous, bah vous continuez votre ascension ici. Extraordinaire. Et toi, tire ailleurs, s'il te plaît. Et à l'assaut de la colonie. On se calme. Là. Si. Par contre, quand je dis toute la. Toute la longueur. Oh. On va y arriver. Cool, là il y a une cavalerie. Alors tenez la position ici. Allez. Là. Ici, on va les mettre là. Voilà. Le but, ça va être de les empêcher de fuir. Même si mes lanciers sont pas non plus les meilleurs, ça reste des lanciers. Là faut que je fasse gaffe. Là faut vraiment faire gaffe ici. Les lanciers ici c'est tout. Thank you.
tortue offensive. Mur de tortue, je dis écran de bouclier. Ouais, écran de bouclier. C'est pour ça que calme. Là. Infanterie en formation. Vous y arrivez ici. Yes. Tiens. Ouais, ils sont à 51 sur 96. Sophie. Toutes ces munitions. Lance. Ouais, bah justement, t'as usé toutes tes munitions. T'as 36 d'attaque en mêlée. Ok. Allez. Toi, tu les soutiens ici. Ouais, sur le général. Voilà. Tourne en notre faveur. Ouais, bah oui, bah je sais que ça tourne en notre faveur encore. Oui. Allez. Allez, recule, 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 recule. Une cavalerie de choc. Ah ok, j'avais pas fait gaffe. En avant. Salut. Ça, c'est bien pour l'impact. Mais pas forcément après le corps à corps. Oblite, paré. Oh, bon alors là, toi... Rêve pas de trop non plus. Toi... T'attaques pas? Viens nous en aide. Bah, Mars vient nous en aide. Bah oui, bah il arrive, hein. C'est tout ce comment sont les dieux, hein. Ils sont gentils, mais bon, faut qu'ils arrivent. Les hommes sont hésitants. Comment ça, ils sont hésitants? Ah oui, eux. Ah bah oui. Vous arrivez pas à tenir, vous êtes lanciers, les gars. Hey, attends, le général. Oublié le général. Eh bah voilà, et voilà. Le général, on l'a oublié. Bah voilà, c'est. Toujours plus. Hein, bravo. Bravo. Là, j'ai absolument rien d'autre à dire. Vous, venez aider. Et vous, venez ici. Merci. Ouais, là, je pense que c'est bon. Quoique.
Allez, s'il te plaît, avance. Merci. C'est un état d'épuisement. Bah, ça, je peux bien vous comprendre. Hein. Général. Second souffle. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Cri de guerre, allez. Faut commencer à percer ici. Alors. Vous y arrivez ou pas? Parce que bon, ces cavaliers. Nous avons obtenu du fil à retordre ces sacrés cavaliers là. Ils en avaient plein, même s'ils étaient pour beaucoup morts. À moitié. Ils ont résisté quoi. C'est une cavalerie de mêlée, donc elle est meilleure que moi au mêlée, mais moi au moment de l'impact 24. Attention. Les gars, le 24. Bon. 21. 18, 18, 18. Alors, ça descend assez vite juste au moment de l'impact. Après, bon, faut pas trop abuser. Bref, faut pas, voilà, hein, on y va mollo. Ah, la saule! Si je pouvais tuer le général aussi. Oh, good. Couture taille, donc. Allez, c'est fini ici. On avance. Allez, allez. Général, dominé. Sig dominé. Ouais, Sig dominé. Bah, oh, tu te calmes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais calme-toi quand même. Bon, vous allez me le tuer, général, là? Non, mais... Oh! C'est abusé, ça. Ils sont deux. Les gars, faut pas vous le mener quand même. Ah, apparemment, si, en plus, ça arrive à le fuir. N'importe quoi. Allez, 6 secondes, on va donner un second souffle. Parce que là, ils sont un petit peu en état d'épuisement, là, ils y arrivent. Oh merci. Détruisez-les. Voilà. Engagement. Tirailleurs libyens, on les dégommez-les. Donc là, la cavalerie a fait son taf. Toi, bah, fait ton taf quoi. Y a plus que le général et un garde du corps et vous y arrivez pas. C'est qui que j'ai oublié en arrière là? Les toutous. J'ai oublié mes toutous. J'ai oublié les toutous. Bah attaquer les hôpitaux. Écoute. J'ai oublié mes toutous. Le général voilà. Ennemi. Et bah enfin. Merci. Oh. Oh, c'est pas possible quoi. Allez. Général. Tu peux me faire. Grande fatigue, bout de souffle. Allez, chien. D'accord, non, ils ont fui. Ils sont tous fuis, mais bon, on largue quand même les chiens parce que ils fuient, mais on va tuer les fuyards. Bon, bah, terminé la bataille. On t'a peut-être mis. On a terminé cette fucking your bataille. Voilà, bon, les rebelles au moins ont été dégommés. J'ai perdu 410 hommes, ils en ont perdu 1099 sur 1403 hein, quand même. Hein. Donc la cavalerie, hein, elle a fait son taf, on le voit. Cette unité-là aussi a fait son taf, elle pas trop parce qu'elle devait être derrière justement. Les lanciers, ils ont pas fait tant que ça leur taf, mais bon voilà, c'est que c'est des lanciers auxiliaires, ils ont que 30 points d'attaque, donc ils font pas trop de dégâts sur les cavaliers.
Lui, c'est celui, je crois, qui était resté en retrait, alors que lui, je l'avais envoyé aux arrières, dans l'arrière des ennemis. C'est pour ça que je pense qu'il doit être à 162 morts. Et lui, malgré tout, en fait, même si j'ai pris... en fait, je pense que les unités qui fuyaient, c'était les unités ennemies, et puis au passage, ils ont tout dégommé. Oh là là là. Là, au moins, c'est recta. C'est pas fait trop de pertes, un carton 10, ça va, sur 2400. On est bon. Je pense qu'on est bon. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est pas trop mal, on est pas trop mal. En plus, ça a permis de faire... Putain, mais par contre, les cavaliers, ils ont pris 3 grades directs. Les putain, j'ai une unité de vélite de 2, les hoplites mercenaires de points. Pour l'instant, les hoplites mercenaires, je vais les laisser, ça me fera des hommes en plus. Ouais, ça fera des hommes en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, c'est tout, je crois. Ça fera des hommes en plus. Mais après, c'est vrai que j'aurais peut-être un peu moins d'argent. Oh, ouais, c'est bon. On va pas chipoter pour... on va pas chipoter, c'est bon. Hein. Allez. La musique vient de se couper, c'est-à-dire que le chargement va se finir. Normalement, hein, évidemment. Normalement. Toi aussi. Allez! Tu peux le faire le jeu? Ouais, c'est. Mon ordi qui est pas assez puissant pour faire tourner le jeu correctement. Enfin, heureusement que je le change là. Normalement, dans le. On est le combien pour moi? On est le 17 au moment où je tourne, le 17 octobre. Donc, fin du mois ou début du mois prochain, normalement, j'ai le nouvel ordinateur. Donc, va falloir patienter pour que ça soit un peu mieux. Bon, après, j'aurai toujours une connexion pourrie. Hein. Faudra pas abuser non plus. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Je suis gentil, mais il y a des limites. dans le coup, toi, en fait, bah, tu m'as servi à rien, donc tu vas pouvoir tourner ici. Toi, dans 3 tours, t'es bon. Ouais. Non, on va garder l'or que j'ai. Ah oui, ça serait mieux. Prêt pour vos ordres. Merci. Alors, général 2 étoiles, ouais, c'est pas énorme. Un d'autorité, deux de morale, présence d'ordre public, compétence d'attaque en mêlée. Je pense que c'est... ouais, on va mettre un. Comme ça, on va faire un peu plus mal. Là, j'ai un édit à mettre et on va faire du pain et des jeux parce que là, à moins 4, oh, oh. Moins 34 de bonheur, c'est pas la joie quoi. Surtout que le temps que je fasse les bâtiments, ouh, ça va faire mal. Allez, bon. Ça aura pas été trop mal, mine de rien, sur cet épisode. On aura pris la Sicile. On aura fini la Sicile. Donc, je suis content. Épisode d'avant, on prend Syracuse, mais bon, je l'ai pas filmé parce qu'il y avait aucun intérêt. Il n'y avait pas d'armée dedans. Donc, il n'y avait aucun intérêt. Là, il y avait une armée, donc il y avait de l'intérêt à filmer une bataille. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Par contre, les autres, je pense que Alaya, je ferai pas la bataille. Par contre, Caralis, vu que c'est une cité avec muraille, je pense que je ferai la bataille. Alors, ça et ça. Et démontel, tout ça. Alors, moins 2, et normalement, quand lui va arriver, voilà, plus 2. On est bon. Ok. C'est ça. Et dans le coup, attends, c'est qui j'ai des grades en bas. Merci. Ils ont pas augmenté en grade. Ouais, ils ont pas fait. ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Ok, bon. On passe le tour encore. Parce que de toute façon, là, j'ai pas de fric. Et dans le coup, ben, je pense que après, on va pouvoir s'arrêter. J'adore s'arrêter. Pardon. Oui, bon, ça fallait s'en douter, hein. Dans le coup, bah, cette armée, normalement, je vais pouvoir reprendre parce qu'il y a une armée dedans. Voilà, un Carthage se sent menacé, donc
Ah, fait, tiens, je vais mettre un petit pied à terre en Italie. Oui, mais là, tu vas te calmer, gros. Parce que t'es gentil, hein. J'aime bien Carthage, en théorie, hein, un minimum, du moins. Mais là, beaucoup moins. On va pas s'entendre. Si je prends une ville à moi, tu dois mourir. C'est la règle. C'est la règle, c'est la loi. Donc, on est pas mal. Allez. Finis ton tour en quatrième vitesse, s'il te plaît. Voilà. Alors, que je m'occupe de tes fesses. Je vais pas faire la bataille. Je vais pas faire la bataille. Non, mais... Oh là là. Bah oui, siège de la colonie. Abruti. T'es abruti. C'est une route dangereuse. Mais c'est pas une... Mais je m'en fous que ça soit dangereux en fait la route, moi. Merci. Mise en place du blocus. Oui, parce qu'il a il a mine de rien une armée un petit peu beaucoup puissante, hein. Il a quoi dedans? Avez-vous d'autres ordres? Ah ouais, les nobles combattants de ibérique là, je crois, les hoplites carthaginois. Le garde du corps, bon, des hoplites libyens précoces, ok. Ils sont précoces, comment ça ils sont précoces? Ça peut être mal interprété, hein, s'il vous plaît. 44, ouais. On va perdre beaucoup d'hommes, mais bon, c'est pas trop, hein, voilà. Et comme ça, Alaya, à moins qu'elle refasse une armée entre temps. Je vais être tranquille, occupé. À votre service. Je voulais faire un truc. Prêt pour la bataille. Toi. Tu vas monter à Mélan. Et la Légion 1. Pour moi qui dit Légion 1 Italica, c'est celle qui va rester à Rome. Voilà. Hein, tout simplement. Tout simplement, s'il te plaît, tu peux aller à Octo. Au travail, les gars. Merci. Je... Voilà, merci. Commandant. Non, bah, voilà. Voilà, point de rencontre. Tout simplement, comme... Oh, quoique, attendez. Point de rencontre, est-ce que ça sert vraiment pour faire la même chose à chaque fois. Ouais, wow, on va quand même le faire. Hein, voilà, on va quand même le faire. Ouais, d'accord. Par contre, dans le coup, j'ai plus de. La 5ème légion, faut que tu te répares. Et mets un édit dans ce que tu contrôles. Et tu peins et des jeux, mais non, on va faire l'imposition. Ouais, on va faire l'imposition, alors attendez. Je vais m'occuper d'un petit truc. Pour l'argent. Allez. Tu vas pouvoir le faire. C'est une flotte athénienne. Normalement, ils sont pas censés prendre de villes parce qu'on n'est pas alliés militaires. S'ils ont pris des villes là-haut, c'est parce que c'est eux qui m'ont demandé d'attaquer parce qu'ils se faisaient attaquer, je crois. Donc j'ai dit oui. C'est pour ça qu'ils ont pris la ville des Sekouan qui m'ont un moment attaqué, que j'ai fait en off, hein, comme je vous avais dit à l'épisode dernier. Donc, oh, c'est pas dérangeant, quoi. Allez. Putain, Massilia aussi, j'espère que tu vas pas faire les cons à un moment, parce que si elle m'attaque, je suis pas prêt. Hein. Genre, je suis pas prêt, j'ai peut-être des armées là-haut. J'aurai une armée à Rome et j'ai deux armées en Cisalpine. Mais je vais pas être prêt si elle décide d'attaquer Pilatri ou Maidlan. Ah, Maidlan, je pourrais résister, parce que avec l'armée de garnison, vu qu'il y a des murs et tout ça, il y a toujours un moyen de résister. Mais sinon, ça sera pas là, je vois. On va faire ça. Ouais. Et dans le coup, vu que je peux pas faire le projet que j'avais envie de faire, on va garder. Ouais, on va faire des marchands d'esclaves, je pense. Parce que j'aurais voulu faire en fait deux amphithéâtres pour avoir le Circus Maximus, mais en fait on peut pas. J'avais oublié qu'on ne pouvait pas. C'est tout simplement, en fait. Je croyais qu'on aurait pu, mais en fait non. Donc là, dans le coup, il y a une armée qui se reforme.
une armée à se reforme. Est-ce que si je... Non, tu te... Ah, tu te ré... Oh, tu te régénères même pas. What? What? Est-ce que je tente le diable? Ah, oh ouais, je tente le diable. Hein. Alors là, je suis fou. je suis fou. On va se laisser là. Tranquille. La Libye. Fais gaffe à tes fesses. Ah oui, d'un coup, je suis un peu en guerre aussi avec eux, vu que c'est l'état qui vient de Carthage. Fais gaffe à toi. Tout ce que je dirais, fais gaffe à toi. On sait jamais. Allez, de toute façon, au pire des cas, j'ai une armée ici, au cas où qui est prête, façon de parler, à intervenir. Sur ce, ben on va se laisser ici. On va se laisser sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc la prochaine fois, petit résumé, ça sera Alaïa et on va essayer Karalis en même temps sur la même partie. Je promets rien, hein, je promets vraiment rien. Mais j'espère pouvoir réussir en fait tout simplement prendre ces deux villes au même endroit. Enfin au même endroit, à la même partie et en même temps avec cette armée. Je pense que je mettrai une flotte aussi en renfort. Et bah de se diriger sur Carthage, parce qu'elle a pas l'air d'être en plus gardée, donc si on fait tomber la capitale, ça pourrait être sympathique. Par contre, je vois que la Macédoine là-bas, 30 secondes avant de quitter. What? Ah ouais, la Macédoine, elle a... elle y va, hein. Et pas le temps, quoi. Je sais pas s'ils sont en guerre entre les Grecs ou pas, non. Pas du tout, mais... ça fait mal. On va se laisser là, je regarde en même temps si... Soyez ici le bienvenu, et parlez autant qu'il vous plaira, sans crainte du danger ou des conséquences. Mais le gars, il est méchant, il est... Oh là 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 là... Les nervis. Je peux ou pas? Venez mon ami, asseyez-vous, que vos mots me mettent en colère ou m'enchantent, cela de... Bon bah ok. Moi je vous dis dans tous les cas à la prochaine. J'espère franchement que cet épisode vous aura plu. On avance doucement mais sûrement. Et puis moi je vous dis allez à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Je vous dis ciao.